Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Glock 45 Gen 5. C'est parti! Alors tout d'abord, je tenais à préciser que certaines images ont été tournées avant la crise sanitaire, d'où l'absence de masque. Donc ce Glock 45, on est sur un pistolet semi-automatique en 9 mm, contrairement à ce que pourrait faire penser son nom, faut pas s'y fier chez Glock, hein, c'est comme le Glock 44 en 22 longs rifles. Donc l'intérêt de ce Glock 45, on est sur un pistolet hybride, c'est-à-dire qu'on a la culasse et le canon d'un G19, et la carcasse d'un G17, ce qui permet d'avoir un pistolet compact, mais confortable grâce à la grande poignée du 17. Donc, on a une culasse en acier avec un revêtement NDLC, ce qui lui confère une grande résistance à l'usure et à la corrosion. Et on a également des stries de préhension à l'avant de la culasse, ce qui est apprécié de beaucoup, donc c'est un point positif. On est sur un Gen 5, ce qui veut dire qu'on a le nouveau canon Marksman, qualité match, qui permet théoriquement d'être deux fois plus précis qu'avant. Au niveau des organes de visée, on a une hausse réglable et un guidon en acier qui sont luminescents, ce qui permet une acquisition très facile. Côté carcasse, on est chez Glock, donc ce qui veut dire carcasse en polymère, ce qui lui confère une grande légèreté. On est sur environ 700 grammes non chargés. L'arrêtoire de culasse est ambidextre, les gauchers apprécieront. Qui dit Gen 5 dit détente retravaillée pour avoir un poids de départ allégé. On est aux alentours de 2,5 kg. J'avoue que j'apprécie énormément ce poids de départ, ça permet d'avoir un très bon feeling pour pouvoir travailler les fondamentaux, notamment de travailler les coups de doigt, etc. Et en même temps, ça permet de faire des points en cible et des très bons résultats de façon très agréable. La poignée n'a plus les empreintes de doigts des générations précédentes, ce qui permet d'avoir un total confort quelle que soit la taille de la main. Moi qui ai des petites mains, c'est vrai que c'est au top, du coup la prise en main est tout de suite naturelle et intuitive. C'est un pistolet de combat, donc c'est mieux, on voit que c'est fait pour vraiment dégainer et être tout de suite prêt à tirer. Et là, c'est super agréable pour le coup. On a également un rail Picatinny sous le canon, et il est équipé d'un chargeur 17 coups. Il est livré d'origine avec deux chargeurs, 4 dosserets de poignée pour pouvoir l'adapter à la taille de votre main, une chargette et un kit de nettoyage. Pour résumer, on est sur un très bon pistolet, compact, confortable, très agréable en main, qui permet de pouvoir faire du point en cible, contrairement à ce que beaucoup souvent disent sur les Glock, et en même temps qui permet de s'amuser. Au gong, c'est juste un régal. Et pour moi, ça reste un des très bons pistolets pour pouvoir travailler ses bases et ses fondamentaux. En gros, il y a sûrement une de mes premières autos qui va servir à acheter ce pistolet. Voilà, c'est tout pour ce Glock. J'espère que la vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, et puis on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!